Que se passe-t-il? Qui est-ce? J'ai demandé qui c'était. Ce n'est pas la guerre, vous ne répondez pas. J'ai demandé qui... Où est Ebi? C'est elle que l'ambulance vient d'amener là. Ebi? Ma soeur? Mais je... L'ambulance? Ok. Madame. Madame, venez, parlez-moi, que se passe-t-il? C'est quoi cette histoire encore? Mama. Que se passe-t-il? Je pensais que nous nous étions entendus, que vous arrêteriez de boire. Écoutez, madame, la présence de l'alcool dans votre organisme rendra vos médicaments moins efficaces. Ils peuvent même porter préjudice à votre système. J'ai arrêté de prendre le traitement. Parce que ça ne marche pas pour moi. Parce que... ces séances sont une perte de temps. Et j'ai besoin de cet alcool parce que je fais face à beaucoup de stress et de pression. Ah. Ok. Alors, nous devons commencer. Au tout début. Au tout début. Oh oui. À partir du début. Parlez-moi de vos origines. Je l'ai dit plus tôt, je suis l'une des deux filles de mon père. Mon père était tenant d'une église où ma mère était jeune choriste. Alors, comme je vous l'ai dit, je tiens un don de chant de ma mère, ce qui n'est pas étonnant. Juste 18 ans,
je faisais déjà sensation dans des concours. Comme je l'ai dit, j'ai fait une pause après l'université. Je me suis faite signer par une maison de disques. J'étais lumineuse, pleine de vie et prête à explorer. Voilà, c'est prêt. Merci. Oh, j'ai oublié ma trousse à la maison. Je peux revenir payer pour ça? Désolée, madame. Nous ne vendons pas à crédit, donc. Je sais, mais je suis votre cliente régulière. Désolée, ce n'est pas possible. Je n'y peux rien. Que suis-je censée faire dans ce cas? Le repas est déjà prêt. Je n'y peux rien, madame. N'avouez pas. Madame, donc, je vais payer sa note. Ok. Combien ça fait? 2500. Ok. Tenez. Merci. De rien. Merci, monsieur. Salut. S'il te plaît, je peux avoir un bout de papier? Comme ça, je vais te le remettre. Ok. Ok, alors, je ne veux pas que ceci paraisse comme ce que font les hommes, mais je ne peux pas être ton ami. Mais... Je veux plutôt être le mec dont tu as besoin. Ok. Je voudrais t'apporter plus que ça. Ok. Et là, j'avais rencontré Fred. Il était l'homme le plus beau que je n'avais jamais vu. Il lui a montré le chemin de par sa voix. En fait, mon nom, c'est Fred. Salut, Fred. Salut. C'est quoi le tien? Excuse-moi? Ton nom? Ah oui, désolé, moi c'est Ebi. Salut, Ebi. Salut. Ravi de te connaître. Mais moi également. Ok. Oups, j'ai failli oublier. Aide-moi ceci, merci. With love a queen, say bye-bye to malaria. No. With love a queen, say bye-bye to malaria. C'était comment? C'est de la folie. J'attends que le son soit prêt. Je suis certaine que ça fera sensation près du groupe pharmaceutique. T'en es sûre? Oui. On assure. Crois-moi, ne t'inquiète pas. Et moi qui pensais être en train de faire des bêtises? Ne t'inquiète pas, c'est top. Si tu le dis, je peux le refaire. Pas besoin. C'était bon. C'est parfait. Ils vont aimer. Fais-moi confiance, je suis ton manager. Ok, on fait qu'ensuite. Je n'arrive pas à croire que Vigna Pharmaceutique a répondu oui à notre proposition. Crois-le, ma belle. On fait maintenant affaire avec les meilleurs. Ça, c'est le moment idéal pour payer les cours de voix dont je te parlais. Où?
Allez, un virer shopping. On a de l'argent, mais parlons d'abord des priorités. Oui, on attendait ce moment. Il y a de l'argent, on peut le faire. Hey, je suis ton manager et je te conseille d'abord de t'amuser. Pour moi, ça pour ce soir et quelques autres. Regarde-la parler comme ma mère. Attends une seconde. Désolée, une seconde. Allô? Hey! Oui, on l'a eu. Merci beaucoup, oui. Merci. Ouais, je suis avec ma meilleure amie, ma manager, et elle m'amène quelque part célébrer. Ouais. Ok, je te fais signe quand je rentre dans ce cas. Ok, ok, d'accord. Qui est-ce? Le mec, celui dont je t'ai parlé. Celui qui a payé pour ma nourriture et mon retour. Oh, peut-être pour le studio. Oh, monsieur le prince charmant. Comment ça se passe entre vous? Pas grand-chose, rien, pas grand-chose. Cet appel ne ressemblait pas à un rien du tout. Ok, on discute, on s'observe. Nous sommes juste amis pour le moment. Juste des discussions? Juste amis? Ah, il m'a invité chez lui. Il dit être chef professionnel et il a cette recette spéciale de riz jollof qu'il veut me faire goûter donc. Fantastique! Alors, c'est pour quand? Ce n'est pas fantastique au bébé. Aller chez un mec, au premier rendez-vous. Aller chez lui, quelqu'un que je viens de rencontrer. Relax! Arrête de travailler, juste pour 5 secondes. Tu parles comme ma mère. Tu parles exactement comme ma mère. Ramène-moi des enfants, tombe enceinte, va te marier. Je dois trouver l'amour parce que je l'ai jusqu'ici. Oui, raison de plus pour que tu ailles à ce rendez-vous. Ce gars est juste, je ne sais même pas quoi dire. Il est parfait. Tu n'as pas besoin d'y réfléchir. On va juste faire ce qui était prévu, c'est tout. Un moment, attends que je booste tout ça. Le boost vient avant ce truc de voix. Oh, ce boost vient après le rendez-vous. Après le rendez-vous. T'inquiète pas, le rendez-vous est sécurisé. On en reparle, je vais... D'accord, je vais juste envoyer un email à la compagnie pharmaceutique. Ok. Ok. Qui est-ce? Hey. Bienvenue. Merci. Tu peux t'asseoir. Wow. T'as une très belle démarche. Merci beaucoup. Tu es vraiment... très ravissante aujourd'hui. Merci. Tu sais, je voulais faire toute une histoire à cause de ton retard et autre chose, mais... mais en te voyant comme ça, je pense que je vais trouver une place dans mon cœur pour te pardonner. Je suis désolée. Ça va, c'est bon. Juste pour cette fois. Juste cette fois? Ouais. Ok. Oh non, 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 je ne bois pas d'alcool. Oh, vraiment? Non. Ok. Je pense que... que tu devrais boire. Ok. Tiens. Pas mal, hein? Ok. Pas mal. Désolé. Merci. Ce n'est pas bon pour la voix. Ce n'est pas bon pour la voix. Ok. En fait, j'ai fini de cuisiner il y a de cela une heure. Désolé, je t'ai bloqué dans les embouteillages. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Je pars servir le repas. Ok. Je reviens. Ok. Thank you.
Cette peinture date de 18 ans. J'étais un collectionneur d'art. Elle a l'air terrifiante. C'est ce que plusieurs personnes disent. Mais si tu regardes au-delà de la peinture, peut-être tu apprécieras l'œuvre. Mmh. Donc, okay, allons-y. Merci. Tu es bien assise? Ouais. Ok. Super. Non alcoolique ou alcoolique. Tu vas devoir me faire confiance sur ce coup-là. Pourquoi tu ne goûterais pas le repas? Mmh. Tu aimes? C'est très bon. Eh bien, quand il s'agit de ma priorité, il n'y a rien que je ne puisse faire. Surtout, ne doute pas. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu fais du business avec les plus grands du marché. Santé. Santé. C'est délicieux. Ouais. C'est délicieux. Tu ne me demandes pas mon secret. Alors c'est quoi ton secret? Eh bien, je ne vais pas en faire une masterclass ou autre chose, mais... Ok. Je dirais que je prête attention à la moindre toute petite épice. Parce que tout ça compte. Un peu comme quand je prête attention à la forme de ton visage. Et comment sont tes lèvres? Je peux voir ton sourire et le visage adorable que tu as. Laisse-moi manger. Ok. Je te rejoins. Désolé, je n'ai pas de soupe là. Ça va. Monsieur le célibataire. C'est l'art de mettre. Près de sa grandeur. Servi d'un repas parfait. Et c'était fait. Et ça ne pouvait pas être plus aimable. Fred était parfait. Il avait tout ce que j'aimais. Il comprenait mon travail. Il comprend toujours mon travail. Des fois mieux que je ne le fais, je crois. Je ne sais pas. Ok. C'était un travail incroyable. Oh, arrête. Je suis abasourdi face à ce que tu peux faire, bébé. Merci. Ouais. Merci de croire en moi. À tout moment. Bien joué, ma belle. J'ai déjà envoyé une esquisse à leur RH. Tu l'as fait? Il adore. Ça, c'est ma meilleure amie. Ça, c'est ma meilleure amie. Tu l'as vraiment fait. Oui, c'est juste maintenant, pas réfléchir. C'est de ça que je parlais. Vous me motivez. Vous deux me faites sentir comme si... Vous me faites me sentir comme si je sais ce que je fais. Tu sais ce que tu fais. Et crois-moi, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Tu sais pourquoi je suis content. Bébé, parce que je suis ici, planté là. Je demeure là et je grandirai pour t'aimer. Arrête. Pour te laisser briller. Arrête. Je resterai là pour toi. Arrête. Juste pour toi. Embrasse-moi, okay. Bébé.
Pardon, partez dans un temps et laissez-nous tranquilles. Ok, attends, je suis prête à refaire deux prises. Ah. Midmaker, je peux y retourner? Vas-y. Hey. Vas-y, ma star. Ouf. Tu n'aimes pas l'endroit? Bien sûr que je l'aime. Tu es sûr? Ouais. Je veux dire, si tu veux, on peut changer d'endroit. Non, ça va. J'ai juste faim. Ouais, ok. Je vais aux toilettes, ok? Ok. D'accord. Je reviens tout de suite. D'accord. Non, on n'a pas encore passé de commande. Le monsieur assis là l'a fait un peu plus tôt. Oh, il l'a fait. Oh, merci. Je vous en prie. Moi, j'ai faim. J'ai faim, je vais commencer. Hein. Oh mon Dieu. J'espérais que tu serais plus surprise. Vraiment, désolée. Je suis surprise. Je. Bien sûr, je suis surprise. Oh mon Dieu. Vraiment, désolée. Elle aurait dû. Désolée. Je peux te tenir la main. Abby. Ah oui. Est-ce que je peux te tenir la main? Ah. Vraiment, désolée. Je n'ai jamais fait ça. Alors, tu vois, quand des gens s'aiment autant que nous, je vais m'en tenir à moi. Quand une personne aime une autre personne comme je le fais avec toi, je pense que la prochaine chose à faire, c'est commencer à fonder une famille, se marier. Donc, je transpire. Désolé. Alors, j'espère que tu diras oui pour devenir Madame Lawson. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Et tu es parfaite pour moi. Allez, dis oui. Tu peux y réfléchir, je sais. Je sais que c'est soudain. Mais je voulais juste te demander si tu voudrais être Madame Abby Lawson. Oh Dieu, merci Père pour aujourd'hui, pour la réussite de la cérémonie aujourd'hui. En vérité, Père, tu es présent et tu es fidèle. Merci. Hé, Monsieur Lawson, finalement, viens chez Madame Lawson, ta seule et ton unique. Je suis finalement ta femme. Exact. C'était quoi que ton ami nous a servi aujourd'hui? Je voulais te le demander. Servi? Oui, Sarah. Pourquoi a-t-elle donné mon nom complet au chanteur, quand bien même elle savait que les quelques membres de ma famille qui seraient présents ne savent pas que j'ai changé mon dernier nom? Je suis sûre qu'elle ne savait pas. Elle n'était pas au courant, Monsieur Lawson. Elle n'avait aucune idée, elle ne savait pas. C'est juste une idiote. Fred, voyons. Est-ce que tu prends son parti? Non. Tu sais que Sarah a été d'une grande aide pour cet événement. Et je suis sûre qu'elle ne savait pas que ta famille ignorait ces choses. Allez, qu'y a-t-il? Bébé. Quoi? Écoute. Je considère sérieusement le fait que tu sois ami avec cette fille. Fred. Je suis sérieux. Elle est juste trop entreprenante à mon goût. Quoi? Je vais prendre un bain. Je veux dire,
J'aurais dû voir son éclatement soudain comme un signal d'alerte. Mais j'ai choisi de le mettre sur la pression et la fatigue qui accompagnent le jour du mariage. Et puis, après tout, il est devenu tellement doux. Surtout quand il a découvert que j'attendais un enfant. Tu sais que j'ai failli mourir d'inquiétude de ne pas savoir où tu es. Inquiet? Pourquoi? Et puis, que fais-tu? Pourquoi tu plies les habits? Ne t'ai-je pas dit que je m'occuperais de ceci quand j'aurais terminé au salon? Tu l'as fait. Alors pourquoi le fais-tu? Je ne veux pas te stresser. Oh mon Dieu! Stressé? T'es assis sur mes habits. Oh, désolé, désolé, désolé. Tai, tout le travail abattu. Je suis désolé. Alors, tu parlais de stress. Mm-hmm. Ok. Que ceci soit bien clair. Ok. Tu es la cause de mon existence. Mm-hmm. La raison même pour laquelle Dieu m'a envoyé sur cette terre. La raison pour laquelle je suis là maintenant, c'est de t'aimer. De chérir, de chouchouter toute la journée. Donc je ne suis pas stressée, ok? Viens là, assieds-toi. Alors, est-ce que tu vas maintenant me laisser plier les habits? Laisse-moi réfléchir. S'il te plaît. Oui. Ok, oui. Ok. Alors, je vais prendre ceci. Et ne t'inquiète pas du fait que je ne sache pas plier tes habits. Comme ceux que tu as pliés la semaine dernière. Oh, ouais, je vois. Je t'aime, je n'irai nulle part. Je serai assise là. Ok, regarde-moi. Ok. 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 Oh mon Dieu, tu froisses la manche de cet habit. Tada. Voilà. Parfait, oui. Ouais, c'est ça qui est important. Il n'aurait pas pu avoir un homme plus parfait. Je t'aime. You stand so tall like a god. Mais les choses ont commencé à prendre une autre tournure. Après les problèmes de Fred, j'ai directement repris le boulot. He never fails, he never falters, he'll rescue me. Salut. Je reviens, s'il te plaît. Fred? Fred? T'es de retour? Putain! Fred, Fred, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le terrain que je venais d'acheter, celui qui était réservé au restaurant. Oui. Le gouvernement l'a saisi aujourd'hui. Ils disent que c'est le terrain de l'État, que la personne qui me l'a vendu n'était pas censée le faire, et tout ce jargon. Je suis vraiment désolée, Fred. Je suis vraiment désolée. Ça va aller, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Ça va aller, tout ira mieux, ok? Ça va aller. Calme-toi, ok? Ça va finir par s'arranger, s'il te plaît.
Le temps passé, cela ne dérangeait personne. Ce petit pas en arrière signifiait que Fred avait perdu toutes ses économies. Mais il n'était pas prêt à repartir de zéro. Salut. D'où viens-tu? Je suis allée courir. Je le fais depuis quelque temps maintenant. Tu es allée courir? J'espère que tu sais que, fitness ou pas, tu ne pourras plus jamais regagner ton petit beau corps de chanteuse et autres. J'espère que tu le sais. Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner? Je pensais qu'on mangeait dehors aujourd'hui. Il y a ce nouveau restaurant en bas de la rue. Et je me suis dit qu'étant là-bas, on pourrait parler au manager. Tu sais, il pourrait avoir quelque chose pour toi. Mais si tu préfères que je cuisine, je peux le faire, je peux cuisiner. Tu veux manger dehors? Le petit déjeuner? Femme au foyer? Combien de couples vois-tu au restaurant le matin? Et tu penses qu'il pourrait avoir un poste pour moi? Donc tu veux que moi, que je travaille dans un vulgaire fast-food? C'est ça? Fred... Écoute, je voulais juste t'aider. Tu voulais aider? Vraiment? En me demandant de laisser mon prestige pour travailler dans un vulgaire fast-food, comme quoi? Tu as dû penser vraiment loin. Tu regardes les choses avec condescendance. Condescendance, moi? Bien sûr. Fred, je me disais que cet endroit n'est pas loin de la maison. Tu pourrais juste y aller pour passer du temps. J'essayais juste de t'aider. Oh, comme un homme inutile. Je dois passer le temps. Donc c'est à ce point que ma présence t'irrite. Parce que tu as eu à payer une ou deux factures dans cette maison. Maintenant, tu me dis quoi faire, où le faire et quand le faire. Ebi. Fred. Maintenant, écoute. Qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que tu essayes de m'aider dans cette vie. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu peux m'aider? Écoute, laisse-moi te dire. Tu vois ça? C'est juste une rétrograde temporaire. Fred. Moi, je vais me relever. Je sais. J'ai dit que je vais me relever. Ok? Alors, tu apportes le repas ou quoi? Désolée. Je me change et je te fais ça. Attends, je... Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Bébé, je suis prête. Où vas-tu? La réunion dont je t'ai parlé avec les producteurs. Et pourquoi je ne m'en souviens pas? Je sais pas. On en a parlé. Non. On en a parlé, ne me dis pas que tu ne t'en souviens pas. Malheureusement, non. Okay. Attends un peu. Pourquoi es-tu vêtue comme ça? Pourquoi portes-tu cette courte robe? Sérieusement, pourquoi? T'es sérieux? Oui, pourquoi? De plus, quelle heure est-il? Pourquoi une mère de famille sortirait à cette heure? Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est un dîner, le dîner c'est dans la nuit, et ça c'est ma marque, tu le sais. Il n'y a rien de mal ici. Un dîner d'affaires, c'est le nouveau nom de ce dans quoi Sarah veut t'introduire. Te recruter dans le désordre qu'elle fait. Pourquoi? Dormir avec des hommes mariés, et puis, pourquoi tu sais, parles des comme larges, ça devant des larges donateurs. Pourquoi tu parles comme ça devant les enfants? Tu sais que Sarah est mon manager, elle n'est pas ce genre de personne. Oh, vraiment? Oui, tu le sais. Vraiment. Ebi, tu n'iras nulle part. Fred! Tu essaies de me, me faire une blague? Ou me piéger ou quoi? Tu es déjà en retard, non? Bébé, monte tout de suite et retire-moi ces bêtises que tu portes. Fred, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne vais pas me répéter. Ma décision est prise, Ebi. Fred, qu'est-ce que ça signifie? Que signifie quoi? Monte et enlève ces choses. Fred,
Fred, on en a parlé. Pourquoi est-ce que tu fais comme si tu ne t'en souvenais pas? Fred. Fred. C'est tellement drôle. Ce n'est pas drôle. Ça l'est. Oh mon Dieu. J'arrive. Vraiment? Tu refuses de prendre mes appels après m'avoir posé un lapin hier? Désolée. Tu m'as fait passer pour une sotte devant les clients. Je suis désolée. Désolée? Eh bien, que se passe-t-il? Viens à l'intérieur, assieds-toi s'il te plaît. Attends. Donc tu veux dire que Fred a insisté pour que vous sortez manger dehors? Et t'as décidé d'annuler une réunion aussi importante avec nos plus gros clients? C'est ça. Explique-moi que je comprenne. Je pense que... j'ai sûrement dû faire une erreur. Je n'ai juste pas bien géré mon temps. Je ne pense pas que ce soit à cause du dîner. J'ai probablement fait une erreur. Salut. Salut, Fred. Je pense que c'est de ma faute. Je ne me suis pas bien organisée. Je croyais qu'après le dîner, si je l'avais positionné un peu plus tôt, alors j'aurais pu le faire, mais je pense que je n'ai pas bien géré. Et tu vois, donc, nous sommes arrivés à ce niveau. Quel niveau? Tu ramènes tes amis chez moi pour m'insulter, n'est-ce pas? Voyons, elle ne t'a pas insulté. Oh, elle ne l'a pas fait. Mais j'étais à la porte. Je pouvais entendre tout ce qu'elle disait. Une très mauvaise, chômeuse et une véritable moins que rien. C'est mon manager. Oh! Et elle est venue me faire un compte-rendu de ce que j'ai raté hier. Ce que tu as raté hier, elle est venue faire un compte-rendu, comme de l'évangélisation ou quoi. Écoute, laisse-moi te dire un truc. C'est soit tu coupes les ponts avec tous ces stupides vauriens. Mais bébé, c'est le boulot. Ne peux-tu pas voir sa jalousie? Hein? Ebi, ne peux-tu pas voir sa jalousie? Tu as du succès, tu as de l'argent, tu excelles dans la musique. Tu as un très bon époux. Dis-moi, qu'a-t-elle à offrir? Elle a même dû sûrement commencer comme artiste. Et maintenant, elle te manage. Ok, cette fois, elle est juste venue. Parce que je n'étais pas là hier. S'il te plaît, tais-toi. Donc, tu crois que j'ai tort? Non, Fred, je n'ai pas dit que t'as tort. Alors, tout le monde a raison.
Sauf ton époux. Je n'ai pas dit que t'as tort. Tu sais quoi? Je t'écoute toujours, mais cette fois, elle voulait juste faire un récap. Fais juste ce que tu veux faire. C'est toi qui as le talent d'artiste, n'est-ce pas toi? Alors, fais ce que tu veux. Comme tu es la plus sage, Mathusalem, Madame Solomon. Fred. Fred, viens, ce n'est pas comme ça. Venir, pourquoi? Maintenant, tu t'assois dans mon salon, tu bois mon jus et tu m'insultes avec tes amis, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. C'est d'accord. Il ne m'a pas parlé les 3 jours qui ont suivi. La même stratégie qu'il utilise avec moi à chaque fois que nous ne sommes pas d'accord. Même quand je suis sûre d'avoir raison, je commence à douter de moi. Bébé. Bébé. Fred. T'es toujours fâché contre moi? Fred, écoute. D'accord. Tu veux que j'arrête d'être amie avec Sarah? Oui, je l'accepte. Mais où est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre qui comprendra mes années de carrière comme elle le faisait? Je peux être ton manager. Je peux te manager. Tu ne peux quand même pas dire que je ne connais rien en ce qui concerne ton domaine. Il y a un peu de... Tu veux dire que je ne peux pas te manager? Non, non, ce n'est pas ce que je dis, mais... Elle fait ce travail depuis un bon bout et... Des fois, il faut changer. Ça peut être la pièce manquante. Je suis définitivement plus passionné que quiconque dans ta carrière. Alors, est-ce que c'est oui? Oui. Ton oui ne m'a pas l'air très convaincant. Non, si. Sérieusement, oui. S'il surgit un problème, on va y travailler. C'est d'accord? Ne me refais plus cela. Je suis désolé. J'aurais dû comprendre. Mais encore, je me suis laissé manipuler pensant qu'il savait ce qui était bon pour moi. 4 ans et plus, ma vie avait pris une autre tournure. Ok. D'accord, je vois. Bébé, ce n'est pas l'entreprise taïwanaise? Ouais. Ont-ils dit quelque chose? Qui est-il? Ça ne paraît pas bon. Ils n'ont pas validé. C'est le 6e deal qu'on perd successivement. N'y pense pas trop, ok? Allons de l'avant. Aller de l'avant? Ouais. Bébé, écoute, le marché est très compétitif. Tellement compétitif. Chaque jour, il y a une nouvelle sensation sur Internet ou quelque part, tu sais. Et dans cette industrie, on choisit ou on laisse soit cette personne ou celle-là, tu vois. Je pense qu'actuellement, nous avons besoin d'assurer notre stabilité financière. Si on pouvait, genre, ouvrir un restaurant comme celui que l'État m'a saisi. Si on pouvait investir nos économies, fusionner ensemble et le remettre sur pied.
On ouvrira un très bon restaurant avec de la bonne bouffe. Tout le monde viendra, crois-moi. Ensuite, nous allons amasser de l'argent encore et encore. Et en très peu de temps, on aura réinvesti cet argent dans ta carrière. Bon, tu sais, ensuite on fera tout ce que tu veux, te remettre en point, tu vois. Personne ne te vaut, ok? Joignons juste nos forces ensemble. Tu sais que je t'aime. Ouais. Ouais. Oui. Nous allons le faire. Oui. Oui. Ma superstar. Peut-on encore leur envoyer un email? Laisse tomber. Faisons juste ce business de restaurant. Hmm? Ça sera super. Ma superstar. Je l'ai laissé me convaincre une fois de plus. J'ai laissé tomber ma propre carrière. Juste parce qu'il m'a fait croire que c'est un sacrifice noble pour la famille. Je ne sais pas si j'ai été stupide de ne pas avoir vu qu'il me manipulait pour réaliser ses rêves pendant que je boycottais les miens. Bébé. Oui? Bébé. Hein? Bébé, devine quoi? Quoi? Te rappelles-tu de cette marque avec laquelle je cherchais à m'associer depuis des mois? Oui, oui. Pour qu'elle puisse s'installer dans notre fast-food. Oui, oui, okay. Quoi? Écoute, le directeur général vient juste de m'appeler. T'as appelé? Oui, il m'a appelé. Devine ce qu'il a dit. Quoi? Il voudrait que je vienne à ce banquet de ces hauts quatre, tu vois. Et puis, ils veulent s'assurer. Je veux dire, ils veulent s'assurer que ce n'est pas juste la localisation, mais que les personnes également se font dans les décors. Dis-le-moi. Oui. Et c'est pourquoi, bébé, je veux que tu m'accompagnes. Moi? Oui. Oui. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ouais. Lorsqu'ils me verront avec cette beauté, ils sauront que j'ai la capacité d'être responsable. Qu'ils ne me testent pas. Est-ce qu'ils me testent? Je suis tellement heureuse. Moi également, moi également. Oui, on ira. Écoute, si cette collaboration marche... Parle-moi. Mais tu me connais. Parle-moi. C'est le bouc entier. Laisse-moi te dire, plus jamais, toi, tu n'auras plus besoin de travailler dans ta vie. Crois-moi. Ne fais pas cette tête. Tu aimes trop travailler. Je vais te chouchouter. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu n'auras plus à travailler. Mais souris, bébé. Je souris. Mon Dieu, bébé. Écoute, de Londres à Toronto, à Tokyo et Tombouctou, tu n'y crois pas. Voyons. Hein? Félicitations, bébé. Boudi a dit que Beauty a refusé de manger. Donc, je suis allée la nourrir moi-même. Je suis tellement désolée pour ce soir. C'est bon. Je pense que la réponse du directeur général était déjà bien arrêtée. Toutes ces histoires de banquet n'étaient que de simples formalités. Je suppose que c'est de leur culture de rejeter des contrats face à face. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Je pense que tu dois arrêter d'y penser. Tout va s'arranger, on va trouver un moyen. C'est désolée, bon. Désolée. Ça va. Bonjour, bébé. Qui a-t-il? J'étais juste là, à penser. Ok. Et tu sais quoi? Tout ça, c'est de ta faute.
De ma faute? Oui. Tu aurais dû te voir hier au banquet. Tu t'es complètement rendu nuisible hier soir après avoir saoulé. Saoul? Tu ne t'en souviens même pas. Tu ne t'en... Ok. Fred. Tu flirtais ouvertement avec tous les dirigeants au banquet hier soir. De quoi est-ce que tu parles? Mais pourquoi tu parais toujours si étonné de ce que tu fais? Oh. Je n'arrive plus à comprendre. Je suis presque sûr que tu es la raison pour laquelle je n'ai pas eu ce contrat hier soir. Fred, je suis revenue exactement comme je suis partie. Je n'ai eu qu'un seul verre de vin. Tu l'as dit toi-même, tu t'en rappelles? T'as dit que les dirigeants avaient déjà pris leur décision et que ce banquet était juste une simple formalité. Oh, wow. Donc maintenant, tu me rappelles ce que j'ai dit. Non, sérieusement, toi, parmi tous, toi qui ne se rappelle même pas que tu étais saoul hier soir. Je ne l'étais pas. Tu sais, je pense que peut-être ce que tu aurais aimé que je dise, ou ce que tu as entendu, ce que tu crois m'avoir entendu dire hier soir, c'était juste parce que je voulais te soutenir. Parce que tu avais la gueule de bois, n'est-ce pas? Tu sais quoi? J'ai réfléchi à ce propos, et hier n'a fait que tout confirmer. Je ne pense plus que tu devrais m'accompagner dans des événements. Fred, écoute, tout ce qui nous concerne, toi et moi, dehors, c'est annulé. Bon sang, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il, Fred? J'avais juste un verre de vin, et ça, tu le sais. Bon. Je n'étais pas saoule. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Je n'étais pas saoule. Oui, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? J'avais juste un verre. Hey. Maman, je ne comprends pas. Oui, j'ai parlé avec des gens à la fête, ça je m'en souviens. Mais je n'étais pas saoule au point d'avoir flirté avec eux. Penses-tu qu'ils mentent? Maman, à ce point, je n'en sais rien. Il faudra que tu vois un thérapeute. Un thérapeute? Un thérapeute? Fred m'a appelé et il m'a dit que cela fait un bon moment que tu te comportes de manière bizarre. Donc Fred t'a appelé? Oui, il a appelé parce qu'il veut le meilleur pour toi. Je pense que tu devrais considérer sa proposition. Et je pense également qu'il a raison. Tu devrais voir un thérapeute pour qu'on en fasse une fois pour toutes. S'il te plaît. Papa, bonjour. Bonjour, hey. Papa. Comment vous allez, mes anges? Bien. Avez-vous bien dormi? Oui, papa. Et vous êtes prêtes pour l'école? Oui, papa. Ok, attendez votre mère, ok? D'accord. Où est mon téléphone? Quelqu'un a-t-il vu mon téléphone? As-tu cherché dans la chambre? C'est là-bas que tu le déposes toujours. Non, j'ai déjà vérifié, il n'y est pas. Cherche-le juste bien. Si je viens, je vais le trouver. Tu sais que tu es maladroite. Non. Je l'ai mis là. Regarde encore dans la chambre, Abby, s'il te plaît. Ok, tu peux m'aider à fouiller autour de toi? Chercher quoi? Mon téléphone, je pense que je l'ai laissé là. Qu'est-ce que ton portable ferait sur ma table? Ne peux-tu pas voir que ce sont juste mes documents de travail qui sont ici? Juste une petite chose et tu demandes des excuses. Beauty. Papa. N'est-ce pas le téléphone que ta mère cherche? Maman oublie des choses. Je pensais être le seul à le remarquer. Pierre? Oui, papa?
S'il te plaît, rappelle à ta mère de mettre une cuillère dans ta gamelle. D'accord, papa. Tu sais qu'elle a oublié la dernière fois. Rappelle-lui. Je ne le retrouve toujours Maman, pas. Maman, ce n'est pas ton téléphone là. Où? Là-bas. Je venais de fouiller cet endroit, je l'ai fouillé. Bien sûr, tu l'as fait. Maman, n'oublie pas la cuillère pour ma gamelle de nourriture. Tu l'as oubliée la dernière fois. Je suis tellement désolée, je pensais que... C'est bizarre, j'ai mis ta cuillère dans la gamelle la dernière fois. Je suis sûre de l'avoir fait. Merci, laisse-moi regarder. Dépêche-toi. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Je suis sûre d'avoir mis une cuillère là-dedans. Dépêche-toi. Je veux juste pour vérifier, tu vois. Ok, madame, vas-y, cherche. Elle est là, on y va. Elle est là, on y va. Dépêche. Je suis très sûre d'avoir laissé mon téléphone là. C'est toujours ce que tu dis. Ah, désolée. Bye-bye, papa. Désolée, les filles. Désolée, allons-y. Bye-bye. Ne les oublie pas, s'il te plaît. Non. Bientôt, tu vas oublier tes propres enfants. J'espère que tu retrouveras le chemin de la maison. Oh! Mais qui a fait ça? Que se passe-t-il? Tu m'as effrayé. Qu'y a-t-il? Qui l'a cassé? Qui l'a cassé? Oui. Ebi, qui l'a cassé? Fred, quoi? Qui a fait ça, Ebi? Je ne sais pas. Mais tu étais seule dans cette maison, Ebi. Qui a fait ça? Mais Fred, calme-toi, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Tu ne sais pas? J'étais la dernière personne à l'avoir touché, mais je l'ai nettoyé, c'est ce que j'ai fait. Exactement. C'est pour ça que je te le demande, parce que tu l'as nettoyé. Alors, qui l'a fait, Ebi? Hey, Fred, calme-toi. Peut-être ce sont les enfants qui l'ont fait. Oh! Alors, maintenant, tu vas passer la faute à des petits-enfants qui ne peuvent pas se défendre. Tu vas te placer et me regarder la discipliner pour quelque chose que tu as fait, Ebi. Sache que mes enfants ne sont pas minables. Elles ne sont pas minables comme toi. Et encore moins des bipolaires. Fred, bipolaire? Moi? Je ne suis pas bipolaire, arrête de me qualifier de ces choses. Je n'aime pas ça, je ne le suis Attends. Pas. Regarde-toi, tes yeux. Tu montes et tu descends comme une tisse. Tu n'arrives même pas à croire en ce qui sort de ta bouche. Fred, je n'ai pas cassé cette chose. Comment peux-tu t'en souvenir? Et puis, tu oublies toujours. Hein? Tu es arrivé au niveau, tu casses ceci et tu renvoies la faute sur mes enfants innocents. Écoute, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais tu vas fixer ce tableau. Fred, je ne pense pas que ce soit moi qui l'ai cassé. Je ne pense pas que ce soit moi Écoute, qui l'ai fait. Et puis, tes crises d'oubli commencent à bien faire. Ok? Ça devient de trop. Fred, tu n'es pas cassé ce tableau. Comment peux-tu casser ce tableau et oublier que tu l'as fait en 5 minutes? C'est quoi ces conneries? Peut-être j'ai cassé ce tableau et je ne m'en rappelle pas, mais la manière dont il réagit, je ne pense pas avoir cassé ce tableau. Je suis venue, j'ai nettoyé, je n'ai rien touché d'autre. Peut-être j'ai cassé ce tableau sans m'en rendre compte, mais je ne pense pas avoir fait une chose pareille. Ah. Je fais quoi maintenant? Je ne l'ai pas cassé. I wanna be free, free from this chains that holding me down. Merci. I wanna break free. Salut. From this pain. Ebi? Ebi? Oui. Ah. Oh mon Dieu! Ebi! Quoi? Que veux-tu dire par tu ne travailles plus? Quelqu'un devait faire le sacrifice de rester avec les enfants. Je ne comprends pas. T'as juste un enfant. Quand on n'aura plus d'un, tu vas comprendre. Non, pas du tout.
parce que je ne serai jamais femme au foyer. Mmh. Oui. Fred et moi nous sommes entendus sur ceci. Eh bien, que se passe-t-il? Rien, tu me l'as demandé plusieurs fois, rien du tout. Tu n'as pas l'air heureuse. Je suis heureuse, voyons. Non, tu n'en as pas l'air. Comment va Fred en passant? Il va bien. Fred va bien. Il a commencé ce restaurant dont il parlait. Il travaille vraiment dur pour nous. Ok. Juste beaucoup de disputes. Et c'est moi... Aujourd'hui, j'ai cassé l'une de ses montres. La dernière fois, c'était l'une de ses œuvres d'art. Je suis de nature tête en l'air, mais maintenant, c'est pire. J'ai la tête en l'air, mais... Il se plaint de tout. Ce n'est pas de sa faute, c'est moi. J'ai tellement la tête en l'air. Tellement. Non. Toutes ces choses que tu as citées ne devraient pas être des raisons pour que vous vous disputiez. Ah, ma puce, je dois y aller. Quoi? Oui, je dois y aller. Non, tu n'as... Attends. Il se fait déjà tard, je dois y aller. Ebi? Je vais t'appeler. Ebi? Je vais t'appeler. Hé, où est-ce que j'ai mis mon sac en plastique? La supérette. Ebi, hein? Combien de temps ça t'a pris? Pourquoi c'était long? Je suis tombée sur Sarah. Sarah? La même Sarah. Oh! Elle est même déjà mariée et elle a un enfant. Sais-tu que tu es une ingrate? Fred, mais pourquoi dis-tu une chose pareille? Non, je dis juste la vérité. Parce que tu es très ingrate. Comment? Ce n'est pas la même Sarah contre qui je te mettais en garde. La même Sarah que j'étais interdit de voir toutes ces années. N'est-ce pas elle? C'était juste une coïncidence. Oh, une coïncidence? Honnêtement. Comment suis-je censé croire que c'était une coïncidence? Mais Fred, ça l'était. Donc tu as gardé contact avec cette fille depuis tout ce temps? Non. Je suis sûr qu'elle t'a menti. De comment son mariage va très bien. Te flatter et te raconter des histoires. Pour que tu puisses aussi parler de ton mariage. N'est-ce pas vrai? Hmm? Fred, elle ne m'a même pas parlé de son mariage. C'est moi qui ai vu sa bague et je lui ai demandé. Oh, c'est toi. Tu es également très impoli. Ajoute ça à ta liste. Tu veux me dire que tu t'es assise avec quelqu'un à qui j'étais interdit de parler et vous avez eu une conversation. Peut-être tu as dû lui parler de ton mariage, n'est-ce pas? Comment je suis le diable et toutes ces choses, toutes ces conneries. Je ne lui ai pas dit ça. Comment peux-tu te rappeler si tu l'as fait? Non, sérieusement, comment vas-tu te rappeler? Toi qui oublies des choses à la seconde, amnésie pro max. Laisse-moi te dire, ce n'est pas réaliste. Écoute. Tu ne me mérites pas. Je suis coincé avec toi. Dans tes crises, et malgré tout ça, je suis encore là. Hmm? Je vais être honnête avec toi, tu as échoué, Ebi. Tu as échoué. Parce que je ne sais pas quel homme dans ce monde peut rester avec toi, dans cette situation, parce que tu as échoué. Tu as échoué. J'ai vraiment cru qu'il y avait du potentiel en toi. Mais tu as échoué, chérie. Tu as échoué dans tout. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je n'ai rien dit de mal contre toi. On papotait juste. Ah bon? Commence à te comporter comme quelqu'un qui m'apprécie. Cesse de marcher avec mes ennemis et ceux qui me veulent du mal. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'elle est gentille. Pardon. Cherche à te rendre utile. Ça, c'est si tu t'en souviens.
Que se passe-t-il? Qui est-ce? J'ai demandé qui c'était. Ce n'est pas la guerre, vous ne répondez pas. J'ai demandé qui... Où est Ebi? C'est elle que l'ambulance vient d'amener là. Ebi? Ma sœur? Mes yeux. L'ambulance?
Ok. Madame. Madame, venez, parlez-moi, que se passe-t-il? C'est quoi cette histoire encore? Ah! Mama! Ma sœur, serait-ce Ebi. Ebi, tu t'es réveillée. Oh, merci Seigneur. Ebi. Comment en est-on arrivé là? Ebi, dis-moi, comment, hein? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir t'ôter la vie? Sœurette, tu n'as même pas pensé. Hey, tu n'as même pas pensé à tes enfants. Que serait-il arrivé à ces enfants innocents que Dieu t'a donnés? Merci Seigneur pour cet homme bon qui t'a conduit à l'hôpital. Ebi, tu ne mérites pas ces enfants. Ne dis pas ça. La vie est injuste. Ne parle pas comme ça, ma soeur. Tu ne mérites pas ces enfants. Tu voulais carrément les laisser comme ça. C'est pour cette raison que tu mets cet homme dans les ennuis. Ebi. C'est ce que tu penses. Ah. En fait, il est temps d'appeler le père Francis pour qu'il prie pour ta repentance. C'en est de trop. Que vais-je dire à maman? C'en est de trop. Ma sœur, calme-toi. Ah, Ebi. Calme-toi. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Ah, ok. Je n'ai jamais voulu faire ça. Tu as besoin d'une thérapie. Sœurette. Tu as besoin d'une thérapie. Non, pas comme ça. Tu as besoin d'une thérapie. Tu as besoin d'une thérapie. Entends mes prières. Je n'arrivais plus à pleurer. Je me suis rendu compte que Fred a été capable de renverser la donne. Il est maintenant la victime. Tandis que je suis qualifiée de mère et d'épouse indigne. Mes enfants et mon époux
peuvent s'en sortir. Mais malgré tout, Fred avait la conscience lourde. Il s'en voulait vraiment à lui-même. Au point où, quand je suis rentrée à la maison, il s'est agenouillé devant moi et s'est excusé. Abby, je suis tellement désolée. S'il te plaît, je t'en supplie. Écoute, je sais que c'est de ma faute. Je sais que je t'ai poussée à bout. Je sais que je ne t'ai pas reprise avec amour. Tout ce que j'ai fait, c'était de te pousser vers le fond, encore et encore. Je sais que je suis la cause de tes peines. Abby, s'il te plaît, je suis désolé. Je ne pouvais pas imaginer que tu irais jusqu'à là. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris de te traiter comme j'ai fait. Ça va, je suis désolé. Ça ne va plus jamais se répéter. Je promets de changer envers toi. Je ne vais plus jamais réagir de cette façon. J'espère que tu me pardonneras. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Avec ces doux mots de sa part, je n'avais pas le choix que de lui pardonner. Instantanément, il m'a serré fort contre lui et il a pleuré. Et nous sommes allés jusqu'à faire l'amour après. On fait toujours l'amour avec Fred après une dispute et c'est merveilleux. Alors je lui ai pardonné. Ou peut-être je n'aurais pas dû parce que, après cette fois, c'est devenu pire. Fred a commencé à découcher et j'ai commencé à suspecter qu'il voyait quelqu'un d'autre. Il était toujours sur son téléphone. Salut, chérie. Salut. Ma curiosité m'a poussée à des actes désespérés. J'ai découvert que j'avais raison. Mais le lendemain matin, les messages avaient disparu. Cela m'a poussée à me questionner une fois de plus sur ma santé mentale. Montre-moi. Montre-moi le message que tu dis avoir vu. Fred, c'était là. Où est-ce qu'il est passé s'il était là? Ok. Allez, montre-moi. Dans quelle application? Quelle application? Explique-moi clairement. Dans quelle application as-tu vu le message? Pourquoi tu te fais tes propres films dans la tête? Et en plus, tu y crois? C'était ok, là. Montre-moi! Montre-moi! Tu te réveilles le matin et tu m'accuses d'infidélité. Montre-moi le message. Tiens, montre-moi. Montre-moi! Tu dois recommencer avec tes médicaments. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas bien là-dedans. Tu deviens folle. Je ne savais plus quoi penser de moi-même. Je me suis réfugiée dans l'alcool. Où étais-tu? Où étais-tu? Que veux-tu dire par où étais-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Ne sais-tu pas qu'on ne démonte pas un homme d'où il vient?
Je t'ai appelé. Je t'ai écrit plus de 100 fois. Tu t'en fous de comment je me sens. Tu ne te préoccupes pas de mon bien. S'il te plaît. Je suis sorti avec des amis. Ok? Ou alors tu penses que j'étais avec une fille imaginaire? Regarde-toi un peu. C'est quoi ton problème exactement? Après m'avoir accusé d'être quelque chose que je ne suis pas. Maintenant tu es là à jouer les victimes. C'est typique de toi, mon ami. Regarde. Prends une minute et regarde-toi un peu. Tu es inutile. Ne dis pas ça. Mais tu l'es. Je suis juste honnête. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Écoute-moi. Au premier signe de problème, tu replonges dans l'alcool. Tu vois de quoi je parle. Ne dis pas peut-être ça. Peut-être ce n'est même pas de ta faute. Et peut-être c'est juste en toi. Peut-être tu es né comme ça. C'est juste inné. Non. Ok? Tu es une alcoolique. Non. Tu m'as donné mon premier verre et maintenant tu... Je vois ce que tu as fait. Abby, regarde ce que tu as fait. Nettoie ça. Je t'ai demandé de nettoyer mon putain de sol, mon ami. Non, Fred. Nom d'un chien. Mais oui. Nettoie mon sol. Putain d'alcoolique de merde. Docteur, les choses ne s'arrangent pas du tout. Mais il me semble qu'elle ne prend pas ses médicaments. Nous nous sommes entendus que tu ne devais plus boire. Après tout ce que j'ai traversé, docteur, c'est ma vie et j'aime toujours Fred. Je vois, c'est sérieux. Madame, c'est le syndrome de Stockholm. Tu es toujours attachée à ton bourreau. Madame, ton époux est un narcissique. Docteur, c'est-à-dire, c'est un mot utilisé pour qualifier les personnes qui présente des signes d'égoïsme, impliquant des droits et des privilèges, un manque sérieux d'empathie et un amour fou de soi. De quoi est-ce que vous parlez? Votre époux répond à tous les critères, madame. Vous voyez, j'aurais aimé mieux vous expliquer cela si j'avais une idée de son passé. À quoi ressemblait son enfance? Il a été élevé par une mère célibataire qui a pris soin de lui toute seule. Et son père? Il n'aime pas beaucoup parler de son père. Ok. Je veux dire, il a abandonné à la naissance. Une victime des circonstances. Vous savez, la plupart des enfants qui ont été rejetés par leurs parents étant bébés ou en bas âge souffrent d'un traumatisme de rejet pendant très longtemps et certains même tout le reste de leur vie. Non, mais Fred a toujours eu confiance en lui depuis le premier jour de notre rencontre. Plus c'est que ce que tu croyais. Ouais. Oui, mais vois-tu, la plupart de ces comportements servent de protection. Madame,
La plupart des narcissiques sont abusifs parce qu'ils ne veulent pas être victimes, ce dont ils ont peur. Donc, ils heurtent délibérément leur compagne tellement qu'ils rejettent leur frustration sur elle. Waouh! Bats-toi. Oui. Bats-toi et riposte pour une fois. Et observons ses réactions. Ebi. Bats-toi. Tu es de retour. Comment était la thérapie aujourd'hui? Bien. Ok, tu sais, je suis très fier de toi. Je veux dire, tu as enfin accepté le fait que tu sois malade et que tu as besoin d'aide. Parce qu'avant, c'était comme si on te forçait, on te poussait. Tu vois, et maintenant, tu y vas de toi-même. Maintenant, tu vas chez la thérapeute, c'est très bien. Je pense qu'elle a commencé à te sauver de l'endroit où tu te trouves. Comme si ce n'était pas toi qui m'as donné mon premier verre de vin. Nous y sommes encore, hein? Tu n'es pas fatigué? T'ai-je donné une bouteille? N'était-ce pas un verre que je t'ai donné? Et puis tu m'as poussé à boire plus. Fred, tous mes échecs, chacune de mes échecs, en commençant par mon alcoolisme, à mon échec musical, tous ces échecs ont été causés par toi parce que tu voulais que je sois un échec comme toi. Tu voulais que je sois un échec comme toi et rejeté comme toi également. Le fait est que tu ne peux même pas oser me dire ce genre de choses. Ça n'a pas de sens. Tout ce que j'ai été pour toi, Ebi, c'est d'être un soutien en tant qu'époux. J'ai été avec toi depuis le début. Et contre vents et marées, je suis encore celui qui te manage. Manager? J'ai été là tout le temps. Il ne s'agit pas de combien de temps t'as été là, Fred. Il s'agit de comment tu as été avec moi, Fred. Comment t'as été avec moi? Tu as chassé tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. Tu as chassé mes amis, Fred. Tu as détruit ma carrière. Tu as chassé ma famille, mais Dieu merci, elle ne s'en est pas allée car la famille demeure. Écoute. Bébé, ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que peut-être c'est le deuxième médicament que tu as commencé à prendre. Nous y revoilà qui te dérange. Écoute. Nous y revoilà. Laisse ma tête. Bébé, je t'aime, ok? Je ne peux pas être la raison de ta carrière qui a échoué ou le fait que tu oublies des choses et tout ça. Je t'aime. Ok? Je suis ton époux. Le problème est toujours moi, n'est-ce pas? Ok, Fred, je m'en vais pour de bon. Et n'essaie pas de me chercher. Bébé. Attends un peu. Écoute. Bébé, j'ai essayé. Ok. Sais-tu, j'ai essayé de t'aimer de tout mon cœur comme je pouvais. Que veux-tu dire? Bah, tu me quittes. Toute cette beauté, tous ces moments, combien d'années? Tu ne peux pas juste te lever et partir. La thérapeute a dit que c'est ce que tu diras. Juste pour me garder. Et t'as dit ces choses. Bébé, pour l'amour de Dieu, écoute ton époux. Ou tu vas écouter une thérapeute que tu as payée pour tes soins. Sérieusement? Tu vas maintenant écouter ta thérapeute. Oui. Et c'est toi qui as besoin d'aide, Fred. Pas moi. Bébé.
Bébé. Bébé. Et puis. Et puis. Et puis. Ne me demande pas. Écoute-moi, Et puis. Écoute-moi. Et je te rappelle que je suis toujours ton mari. Tu dois m'écouter. Et puis. Ne me touche pas comme ça. Où est-ce que tu vas? N'ose même pas la toucher. Bonsoir, ma sœur. Nous avions confiance en toi. Donc, c'est de cette manière que tu traitais ma sœur. Beauty, Pearl, vous venez avec nous. Cela n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ne les touche pas. Ça ne se passera pas autrement. Non, s'il te plaît, tu ne peux pas prendre mes enfants. Beauty, Pearl, venez parler. Tu dois arrêter. Tu dois te faire soigner. Allons-y. Ebi, qu'est-ce que tu essayes de faire? Espèce de lâche. Laisse ces enfants tranquilles. Je suis peut-être en four, mais tu ne peux pas me prendre mes enfants, Ebi. Qu'est-ce que tu... N'essaie même Fred, tu as vraiment besoin d'aide. Ebi, si c'est de l'argent, je peux t'en offrir. Tu ne peux pas les prendre. Il n'est pas question d'argent ici. Écoute, allons-y. Frère, s'il te plaît. Espèce de connard. Où est ton père? Qui est ton père? Taisez-vous! Ta voix m'a coûté toute une vie. Personne ne veut être une mère célibataire. Tais-toi! 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 Je ne veux plus vous entendre. Je ne veux plus fermer vos bouches. Qui est ton père? Mais taisez-vous! Taisez-vous! Fermez vos putains de gueules! Taisez-vous! Je suis désolé. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu être ainsi. Je n'ai jamais voulu être ainsi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis désolé. Je veux que vous vous taisiez. Taisez-vous. Je vais le faire, ok? Je ne suis pas un fou. Je ne suis pas un fou. Je vais le faire. Je vais le faire, j'ai juste... Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.